Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved. Pour la suite de nos aventures, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas revenu ici depuis, il me semble, le thème du Plesiosaur. Ou du Lieuplorodon, je sais plus. Celui en tout cas qui disparaît au bout d'un moment quand t'as plus de chance. Aujourd'hui nous allons continuer nos aventures et nous allons avoir un objectif assez simple. Il va falloir aller tame deux créatures que vous avez probablement déjà vu grâce à ma magnifique miniature. Je prévois dans le futur. Nous allons partir chercher l'Araneo ainsi que l'énorme scoloprandre, l'Arthropleura, avec ses 2000 pattes. Qui rend tout le monde fou puisqu'il est dégueulasse. Enfin, beaucoup de gens le trouvent dégueulasse, moi je le trouve personnellement magnifique. J'en aurais bien dans mon jardin bien entendu. Donc nous allons partir les chercher et ça va être des timings assez complexes. Mais avant qu'on commence bien entendu comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. On essaie de speedrun le truc, je vous invite à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir et ça aide au niveau du référencement. Et je vous invite également à prendre un VIP si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement. 4,99€, vous aurez des options, un badge, des emojis, un grade sur le Discord, un pseudo en vert et en plus de ça vous soutiendrez la chaîne, n'est-ce pas magnifique? Je pense qu'on a fait le tour, si vous avez fait un de ces trucs, merci beaucoup, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, où est-ce que nous allons trouver nos bébêtes? Eh bien, pas en extérieur, en grotte. Et pour les trouver en grotte, il va falloir s'équiper. Déjà, premièrement, ce sont deux tames passifs. On pourrait croire que ces bêtes horribles, il faut les tame avec la violence, mais pas du tout. Il faut leur gratter le museau et leur donner quelque chose de croustillant. Donc, pour commencer, nous allons prendre une tenue spéciale, une tenue pour se camoufler, parce que si elles nous voient, elles vont prendre le seum. Et le but, c'est pas qu'elles prennent le seum, le but, c'est qu'elles ne nous détectent pas. Donc, normalement, là, on a déjà pas mal de camouflage, mais il faut que je retire mes gants et que je me prenne des gants de camouflage. Donc, je vais les réparer rapidement. Et ensuite, on va prendre du répulsif à insectes. Avec le répulsif à insectes, ça nous permettra tout simplement, eh bien, de ne pas les attirer et de les repousser. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai déjà les antidotes et ensuite on va les nourrir, je disais, avec de la viande avariée. C'est aussi simple que ça, mais il va falloir qu'on arrive à les approcher et ça, ça va être le plus compliqué. Voilà, alors je répare des gants de merde, peu importe la qualité, hein, on s'en fiche. Le but, c'est juste de pas être à découvert. Donc ça, déjà, cette tenue complète va me permettre d'être un peu plus isolé. J'ai encore mes trucs de plongée sur moi, ça dégage. Et maintenant, nous allons voir pour faire un répulsif à insectes. J'espère que je l'ai déjà appris, il est ici. Alors, le répulsif à insectes, il va nous falloir carottes, citron, fourrure, narcotique. J'ai très peur qu'il me reste plus de carottes ou de citron. Attends, est-ce qu'il me reste dans mon frigo? Oh, madre mia, il m'en reste, heureusement. Sinon, là, j'étais dans la giga merde. Carottes, citron, c'est bon. Consommable, médecine. Et il nous faut de la fourrure et des narcotiques. C'est facile, on a déjà tout ce qu'il faut. J'ai eu vraiment très très peur parce que je n'ai pas été dans ma serre depuis 86 ans et je pense qu'il n'y a plus rien dedans. Je pense qu'elle est définitivement décédée. Donc va falloir que je refasse le tour de ma serre et que je répare tout. Et c'est bon, on peut en faire 5. Ça tient 10 minutes. Donc là, on a 50 minutes de répulsif. Oh, mais non, mais ça en fait beaucoup plus que ça. Bon, bah c'est bon, parfait. Ok. Je vais en prendre juste la moitié. J'en ai 30. On va en prendre 15. Sachez que je vais aller dans une grotte simple qu'on a déjà fait plusieurs fois. Mais là, cette fois-ci, l'objectif va être simple. Il va falloir trouver les bébêtes et les tame. Donc on va pas y aller avec de la violence, on va y aller avec plein d'amour. À part pour les bêtes qu'on veut pas tame, elle, on va y aller full violence. Pour ceux qui l'ont capté, nous allons nous rendre dans la première grotte dans laquelle j'avais été, qui se trouve droit devant. Je sais plus exactement où elle est. Je crois qu'elle est droit devant. Non, il faut tourner un petit peu à droite là-dedans. Il y a des petits sentiers à la con. Il va falloir que je me repère. Des petits sentiers à la con qui nous permettront ensuite de retrouver la trace de cette grotte. C'est marrant parce qu'on les a déjà vus ces bêtes, mais on les a jamais tame. Et à la maison, j'ai une selle d'Arthropleura mythique. Donc avec ça, mon Arthropleura, il va être quasiment intuable. Faut savoir que l'Arthropleura, il renvoie les dégâts qu'il subit. Enfin, une petite partie des dégâts qu'il subit, donc c'est pas mal, déjà c'est fort. S'il a une bonne armure, il doit être horrible à tuer. Et en plus de ça, il peut détruire les équipements adverses avec son crachat venin dégueulasse. Donc même en ligne, c'est super fun. Et les araneos jettent des toiles d'araignée qui peuvent littéralement slow les cibles. Ouah, j'ai trouvé la grotte du premier coup. Par contre, je viens de penser à un truc. Je suis en train de me diriger dans la grotte littéralement sans monture. Allez, hop, bas les couilles, ça sera le défi du jour. De toute façon, je suis bien équipé, j'ai des armes, j'ai des munitions. J'ai combien d'armures sur moi? 906, ok. Vous savez quoi? On va s'amuser. De toute façon, il faut pas que j'aille trop loin dans la grotte. Donc, écoute, c'est parti. Hein. Ok, alors, j'ai des antidotes sur moi. Donc si jamais il y a des chauves-souffiacs, ça devrait bien se passer. Oh là là, j'ai fait une erreur mais colossale. Ça se trouve, je vais me faire poutrer et je vais être obligé de retourner chercher une monture. J'ai oublié le plus important en fait. J'ai oublié la monture. J'aurais dû venir avec un baryonyx ou un tilacoléo, ça se serait passé tranquille. Mais là, je prends des risques. Écoutez, au moins, c'est cool, sachant qu'on a déjà fait cette grotte. Chut, écoutez bien, parce que ça se trouve, on va tomber sur un truc malsain qui va nous bourrer la gueule. D'ailleurs, l'Arthropleura,
et l'araignée, donc son totem que nous n'avons pas encore fait, mais dans les grottes il nous manque encore la onyx. Et attendez. Allez, allez, elle est vide pour l'instant la grotte. Y'a personne, ils sont tous morts. Il nous manque la onyx. Ah, j'entends un serpent. C'est pas une bonne news ça. Il nous manque la onyx et il nous manque le mégalo. Je recule un peu. Oh, bonjour chérie. Alors, j'ai pas besoin de cette merde. Voilà. Vite. Oh, c'est quoi cette résistance de zinzin là? Mais sérieux, y'en a qu'un seul et regardez le temps que je prends. Voilà. Bon, je récupère les flèches. Dites-vous qu'en plus j'ai une arbalète mythique. Hein. Oh, j'ai la trouille là. Oh. Y'a des serpents. Ah, oh, il est passé à travers le mur finalement. Y'en a deux. Ils sont bloqués. Hop, un de moins. Il est où le deuxième? Monte ta tête. Fais comme l'autre. Dites-vous qu'il y a un serpent dans le mur là. Il m'a fait peur lui. À tout instant il sort du mur et il m'arrache la glotte. Oh, les amis, il y en a trop plus à droite devant. Ok, on commence le plan. Alors, je consomme ça. C'est bon, je suis indétectable normalement. Je m'avance tout doucement. Et il faut qu'on le nourrisse. Normalement je peux le one shot. Allez. Il est là, il est énorme, il y en a deux. Ah, il m'a détecté, putain. Merde, je me suis raté. Il se réveille, et vous savez quoi? On va retourner en arrière dans la grotte et on va revenir, ils vont perdre l'aggro. Oh, je suis dégoûté, j'y étais presque, j'aurais dû spammer mon E dès que je l'ai vu. Ok, je fais un aller-retour et je reviens. Je crois que je le vois au milieu là. Ça non? Ok. C'est long. Il est énorme. Je vais mettre en cryopode. On va le regarder un peu après, mais il est dégueulasse, c'est tout ce que je peux dire. Oh, c'est son gros œil là. Ok, il y en a un autre. En fait, je voudrais vraiment tame les deux si possible. Ce serait cool. Parce qu'il est le deuxième. Il est resté en bas, je pense. J'ai mon répulsif à insectes. Ok. Est-ce que ça va passer là aussi? Oh, regardez, droit devant. On va l'analyser un petit peu. Ah non, c'est un cadavre, ça. What the fuck? Il est où, l'autre? On a un gros problème, les amis. Attends, c'est le corps du cadavre, là? Ah non, l'autre, il est droit devant. 16. Ah, c'est que des niveaux de merde. Venez, on le fume. Je m'en fous, hein. Ouf! Et voilà, il n'y en a plus. Je m'en fiche, hein, j'en ai déjà un. Oh! Ah ouais! Alors, comment dire? On a tout ce qu'il faut. Oh, une araignée au 108. Oh, par contre, l'araignée au 108, il me la faut, hein. Ok, vous savez quoi? On va s'avancer légèrement. Il est mort, lui, hein. On va s'avancer légèrement. Je regarde au plafond qu'il n'y ait pas un mégalania qui me tombe dessus aussi. Et on va tirer sur Serpentard. Je l'ai raté. Serpentard, j'ai dit. Ok, j'ai touché Serpentard. Ils sont en train de s'exciter, le zboob. Ah, j'aurais peut-être pas dû venir à pied dans cette grotte. Ok, je recule petit à petit. On y voit mal, mais vous avez le gamma, mais moi j'y vois mal, hein. Donc dites-vous que en plus d'y voir mal, je me chie dessus. Enfin, en plus de me chier dessus, j'y vois mal plutôt. C'est l'inverse que j'aurais dû dire. Ok, j'en ai un de plus. Pas qu'il me touche parce que j'ai peur qu'il m'empoisonne en fait. Recule, recule, bébé. Ok, c'est bon. On a fumé les gros serpents de la muerte. Il y en a encore ou pas? C'est en vie ça ou pas? J'ai raté. Je sais pas si c'est mort ou si c'est en vie. Ah, c'est en vie. Ouais. Pourquoi il est immobile? Bah tant pis, hein, Johnny, il fallait bouger, hein. Tu bouges pas, moi, y'a pas de problème. Moi, je te flingue ta race, hein. Mais c'est trop bizarre, il est totalement... Il est AFK, je pense qu'il est away from keyboard. il joue pas au jeu. Donc, on veut l'araignée, là. Donc, il faut que je vise la première. Pour la tuer. Ok, j'ai touché. Alors, c'est celle qui va à gauche, normalement. Nice, on a tué celle-là. Maintenant je cours. Elle est où l'autre? Ah, c'est où l'autre? Ah, elle est là! Vite, recule! Elle m'a pas oublié. Il faut qu'elle m'oublie. Et j'y retourne une fois qu'elle m'aura oublié, comme ça. On fait le time. Mais déjà, faut qu'elle m'oublie, donc je fais un aller-retour. C'est normal que j'ai entendu un truc faire caca dans un mur? What the fuck? J'y retourne avec mon arbalète, les amis. On est en train de faire un exploit là. Ce qui serait incroyable, c'est qu'on arrive à trouver un mégalosaure après. Mais j'avoue que c'est un peu chaud là. Ok, j'y vais à genoux. Est-ce qu'elle est par là? Ah, elle est là. Alors, ça m'a pas du tout oublié ça en fait. Aïe, Pépito!
Vous savez quoi? Je vais remonter tout en haut de la grotte et je vais y retourner. Hein, parce que faut qu'elle m'oublie, la bébête, là. Sinon, je peux pas la taille, moi. Coucou. C'est elle! C'est elle! Je suis en train de m'approcher de la reine arachnide. Ah non, j'ai pas réussi! Merde! J'étais pas loin. J'ai faim. Mais aussi, en même temps, si je fais des bruits comme ça, t'es sûr que... Elle va vouloir me casser en deux, hein. Elle part. Elle part ou elle arrive? On dirait qu'elle est hésitante. C'est quoi cette grosse tique? Est-ce que si je m'approche, je peux la nourrir, là, ou pas? Let's go! Ça a marché! Je recule! Ok. Maintenant, faut tempo un petit peu. Il y a moyen qu'on la nourrisse une deuxième fois et qu'on arrive à la tame. Je recule dans la grotte et je vais attendre 2 minutes. J'ai attendu un petit peu. J'y retourne. J'y vais à genoux. Ça va, pépette? T'as faim? Putain, je me suis loupé! Cours! C'est bon? J'espère que ça va pas remettre à zéro le taming. Elle bouge un peu. J'attends qu'elle ait fini de bouger, hein. Vous savez, faut respecter ses choix. Elle s'excite, là. Elle s'excite de ouf. Attends, je vais mettre le suivi de taming pour voir. Ah ouais. Elle est belle, hein. Franchement, niveau 108, ça va, c'est correct. J'y retourne. Je crois qu'elle s'est recalmée. Je spam ma touche E. C'est bon! Let's go! J'ai réussi. J'ai réussi, c'était easy. Je vais pas vous mytho, c'était facile. Maintenant... Oh, elle a l'air d'avoir une couleur incroyable. Faut que je les sorte de la grotte. Mais déjà, avant de faire ça, je vais aller un peu plus profondément dans la grotte et on va chercher si j'arrive à trouver un mégalosaure. Parce que si j'arrive à faire le triple taming, mégalosaure, araneo et arthroplura, franchement, ça sera Noël. Alors, le mégalosaure, pour ceux qui se rappellent, c'est le dino qui dort. Faut regarder si on trouve une boule sur le sol. Typiquement, un dino en boule sur le sol. Tout à l'heure, j'ai vu un caillou, j'ai cru qu'il était là. Ah, sad, il est pas là. Hein. Y a pas de mégalosaure. Faut que je fasse attention aussi qu'il n'y ait pas un truc qui me tombe dessus du plafond là, parce qu'avec les gros mégalania là, stressant ici. Hein. L'ambiance elle est un peu glauque. Allez, un mégalosaure s'il vous plaît. Le mégalosaure c'est un thème normal. J'ai... Ah, recule. Je vais passer de l'autre côté. C'est plus ouvert. Là dans les murs il y a des arthropléras donc c'est un peu chaud. Ça serait con que je me fasse tuer après ce que j'ai réussi à faire tout seul, sans monture. Je descends par là. Eh, c'est un défiant! Salut les filles! Je recule un petit peu. Elles m'ont pas détecté parce que j'ai mes tenues et tout. J'ai une seule cryopode, donc les filles, je suis désolé, mais il va falloir y passer. Hein. C'est parti. Ok. Ok, j'en ai une. Il me reste juste une cryopode pour le mégalosaure si je le trouve. J'en ai deux. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres horreurs dans le coin? J'aime pas regarder leur level. Je trouve qu'il y a des niveaux super cool. Je vois des arthropleura. Oh putain, c'est quoi ce délire? Scorpion, arthropleura, serpent. Bruh. Alors l'arthropleura, là, je lui fais manger sa mère. Et j'ai entendu quelque chose cracher, je crois que c'est dans le mur. C'est horrible ça. Ok. On est dans le paradis du monstre terrible. Ok. Oh, je l'ai fumé, j'ai esquivé son tir dégueulasse. Et j'écoute, hein. Alors, vous entendez ce bruit? Ça veut dire qu'il y a un truc qui se balade dans l'eau. Est-ce que je peux avoir un POV ici? Il y a un truc sous l'eau, là, je pense. Je m'en bats les couilles, hein. Moi je tire dans l'eau. Hein. Attendez, il y a des serpents et tout. Aïe. Les amis, je viens de voir un caca tomber du plafond, ce qui veut dire qu'il y a un mégalania qui est à... Hello. Oh! Bah y'en a deux en fait des mégalania. Ouais, c'est trop là. Je vais faire le tour là, finalement je pense. Mais vous savez quoi, c'est bon, on va les déchirer. C'est bon, je bats les couilles. Tiens vas-y, crève. Crève. Allez, descendez bande de merde. Moi je vous soulève vos grand-mères. Voilà, ça court vite cette merde. Mais moi aussi je cours vite, t'inquiète. Voilà. Je me défie de venir me chercher mon gars. Voilà. Allez, couchez bébé. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à qui? Il est où l'autre connard là? Il est descendu du plafond aussi. Je sais qu'il est descendu du plafond, je l'ai vu tomber. Comme une crotte. Il est par là. Je pensais qu'il est tombé dans l'eau. Je crois qu'il est tombé dans l'eau en fait. Attends. Pshhh. Ça se trouve, il n'y a pas de mégalosaure dans cette grotte et je suis là pour rien en fait.
Bah alors mon ref, on fait plouf-plouf. Par contre faut que je fasse gaffe parce que j'ai vu un caca là-bas tomber du plafond, donc ça veut dire qu'il y a d'autres mégalosaures mais un peu plus loin. Ah mon dieu, c'est quoi ce bruit? Un secours. J'entendais courir. Comment ça se fait qu'il m'ait raté? Je comprends pas. Il s'est mis en pause. Il est bugué. Sauvé par un bug de arc. Ils sont 50 là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en pause le frérot? Il s'est arrêté là, il s'est dit vas-y je vais juste lui faire peur, mais je m'arrête ici. Bon, j'étais mort en fait. Ah, il arrive. Je vous jure, il est bugué, regardez. Il fait la montgolfière là. Ah. On essaie de partir mon vieux. Tu sais que c'est pas trop possible ici hein. Je l'ai sniperisé le cul. Ah ouais, il va dans l'eau carrément et tout, le pauvre, il est en PLS. Ah mon dieu, ça y est, ça commence. Antidote. C'est bon, je suis sous antidote. Il m'a filé le chikungunya là, cours un peu, cours un peu, cours un peu, remonte. Je veux pas qu'il me refile le chikungunya. Ok. Remonte vite, vite, vite. Je vois plus. Je l'ai raté, putain. Je sais pas si mon antidote il tient. Il me soigne s'il me refile le chikungunya en fait. Je suis obligé de remonter tout en haut de la grotte, c'est une dinguerie. Laisse-moi tranquille. Cours vite, vite, vite. C'est bon, tu veux mourir ou quoi? C'est quoi ça, ce truc qui veut pas crever en fait? Il est là dans l'angle. Allez, couchez sale bête. Couchez sale bête, j'ai dit. Il se bloque avec le mur, le con. Il va y passer, il va y passer. Voilà. Putain, il était 116. C'est dommage que je l'ai pas tame celui-là. Hein, parce que vu le niveau qu'il avait, merci pour la toxine, mon ref. Bon, je redescends. Hein. Ah, mais non, mais c'est pas juste. Il est sorti du sol. Il est en train de me bourrer la gueule, mais je m'en fous. J'ai mon. C'est bon. C'est quoi? Vas-y, allez, allez. Un pour un, un pour un. Tous pour un, tous pour moi. Crève, sale bête. Meurs, 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 meurs. Mais il a combien de vie ce truc? Meurs. Mais zéro de dégâts, je m'en fous. J'ai l'antidote. Voilà. Voilà. Au moins ça m'apprendra l'antidote tant qu'il dure. Mais waouh, couché. Combien de vie il avait ce truc? C'est bon, je suis le dératiseur de l'extrême. Il y a rien qui peut me faire quoi que ce soit ici. J'arrive. Venez, venez, je vous prends tous. Je vous prends tous. Mais je savais pas si l'antidote il durait durant la période. Mais visiblement oui. Donc j'ai encore 58 secondes d'immunité totale. Attends, c'est moi, il y a des arthropéras là. Ça par contre c'est pas amusant. Ouh. Ah bah là, je peux t'assurer que ça a touché. Alors, vous savez quoi, je vais sortir l'épée. J'ai peur qu'il y ait un crocodile qui sort de nulle part. Oh, c'est, j'ai la pression là. Ah, Arneo, je remonte. Ça se trouve, en vrai, je me fais chier, mais il n'y a pas de mégalosaure dans cette zone. Attention, on recule un petit peu. Voilà, ça c'est fait. J'esquive les fils. Ah non, j'en ai pris un dans la gueule. Putain, ils sont en train de me paralyser. Ils sont en train de tisser leur toile autour de mon cul. Voilà, ok, couché. J'y vois plus rien, j'ai la toile à la migale dans la gueule. Aïe. Je suis empoisonné là. Ah, mais alors, c'est en train de me faire quoi là? C'est malsain. C'est bon? Combien de temps? Anesthésie, vous êtes de plus en plus fatigué. Ah ouais, non, ça par contre, ça craint. Hein. Ok, à part l'anesthésie? Non, à part pas. Les amis, je vais faire un gros dodo dans la grotte, là, si ça continue. Ok, c'est bon, c'est parti, j'ai rien dit. Les araignées, c'est dangereux, hein, parce que si elles mettent KO, après, elles vont pouvoir danser la macarena sur mon corps endormi. Et ça, c'est pas cool. Ah, mais non, les filles, c'est pas cool. Putain, il y en a partout, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai le seum. Ok, j'en ai tué une. Je saute en marche arrière. Oh non, j'ai cassé mon arbalète, en plus j'y crois pas. Mais... Oh putain, je suis remonté du mauvais côté. Cours mon vie, aïe 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 aïe. Je suis une mobilette. Mobilette. C'est bon, je me barre d'ici. C'est terminé. En vrai, les amis, je... je suis retourné tout là-haut. Je sais pas en vérité s'il y a des mégalosaures ici, mais je crois que je suis pas dans la bonne grotte pour les mégalos. Je suis seul con à y retourner, hein. Vraiment, je sais pas où sont passées les araignées, je crois qu'elles m'ont suivi là-bas. Donc ça veut dire que cette voie elle est plus ou moins safe. Ta gueule toi, tu te crois où? Je regarde partout hein, qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent. Ah, bonjour mon fils.
Oh putain, il était sur le côté, je l'avais pas vu. Vite, vite, vite. J'y vois que dalle, c'est horrible. Ok, coucher. Coucher. C'est bon. Le pire, c'est quand il n'y a plus de bruit. Enfin, quand il y a du bruit parce qu'il meurt et que tu sais pas si justement tu peux pas entendre le bruit des autres. Attendez. C'est un caillou ou un mégalosaure? Putain, c'est un caillou. Ah, j'ai le seum. Je me suis dit, c'est peut-être un mégalosaure qui est roulé en boule. Le pire, c'est que je suis déjà venu dans cette grotte, hein. J'avais récupéré la note d'explorateur et tout. Ah, c'est sad. Va falloir que j'aille dans une autre grotte de la mort pour aller chercher spécialement un mégalosaure. Je ferai un épisode dessus, hein. Parce que là, visiblement, je vais refaire le tour en haut. Mais je crois qu'il n'y en a pas un seul. J'ai l'impression que ça spawn pas ici ou sinon c'est hyper rare. Faudra que j'aille dans une autre. Alors. Comment dire? J'ai besoin de passer. À la 1, à la 2. À la 35. Je suis passé direct, elles m'ont pas remarqué. Elles sont bigleuses, pourtant elles ont des paires d'yeux carrément, elles en ont 10. Bon bah. Wouah, j'ai laissé un champ de cadavres. C'est une horreur. Je suis pas passé par ici, je crois. Ok. C'est-à-dire qu'il nous reste peut-être encore une chance de trouver un mégalo. Oh my god, un Arthroplura niveau 104. Oh mais attends, mais comment je fais faire pour tame ça si j'ai envie de le tame? Attendez, venez, je tue l'autre, déjà. Ok, j'ai buté son petit frère, je pense qu'il va s'énerver, là. Non? Ok. Prends le répulsif. Ça a pas marché. Je me suis ramené avec une viande, mais j'étais pas au bon endroit, je crois. Ou j'étais pas assez proche, ou il est bugué. Là? Bah, ça marche pas. Je peux pas lui donner la viande. Pourtant, il est bien en vie. Frérot, t'es sûr que tu veux pas une viande? Je crois qu'il est bugué. Oh! Non, c'est bon! Nice! Ah! Énerve-toi, mon pote! On va le voir à l'œuvre, justement. Il n'y a aucune chance qu'il perde. Hein. Franchement, vu la bête. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent? Non, c'est bon. Nice, les amis! On aura tame du coup un Arthroplura niveau 104. Oh, yo, yo. Faut que je le mette en créopode, lui. Bon, bah, finalement, on n'aura pas eu notre mégalosaure. Mais on aura eu deux Arthroplura et un Arthroplura de beau level, quand même. Et on aura eu une petite araignée de beau level aussi. Maintenant, viens en créopode. Je regarde au cas où, juste dans le couloir. En sortant l'arbalète et en regardant au plafond, cette zone elle est horrible, les amis. Je sais pas ce que je fous là. À pied surtout. Vous savez quoi? Je cours jusqu'au bout en regardant vite fait. Y a pas l'air. Y a plein d'araignées là. Non, y a plein d'araignées, mais y a pas de mégalo. Ok, je suis vraiment pas venu dans la bonne grotte pour les mégalos. C'est dommage. Mais de toute façon, c'était pas l'objectif du jour. Hein. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais malheureusement, on a que le gâteau sans la cerise. On va pas se plaindre. Hein. C'est quoi une cerise dans une vie? Oh, ça fait tellement plaisir de sortir d'ici. Surtout que j'y étais à pied. Vous me direz si la prochaine fois vous avez envie que je sorte à pied également. Enfin, que j'y aille à pied également pour le mégalosaure. Ça pourrait être drôle. Hein. Ça fait un petit challenge en plus. Parce que si j'y vais avec une monture, normalement, il y aura aucun problème. Je vais le témoin de deux. Et ça charge. Attention. C'est bon! On est sorti! Oh, je suis refait. Et lui, il nous regarde en mode, qu'est-ce qui se passe, notre gros moustique? Regardez ce que nous avons tame. Je vais pas les tester aujourd'hui, mais je vais vous les montrer. Parce que la prochaine fois, on va tame le mégalosaure, je pense. Et ça sera un épisode qui sera trop court. Donc, je vous montre ce que nous avons tame. Nous avons tame ce gros tic bien deg. C'est bon, j'ai retiré tout la TH. Donc, nous avons tame l'araignée de la muerte. Et nous avons également tame le beautiful Arthroplura avec sa tête d'ovni absolument dégueulasse et son long corps. Regardez-moi ça comme il est abject. Non, en vrai, il est trop stylé. En vrai, il est super stylé. Dites-vous que ça a réellement existé. Bon, je pense qu'ils étaient manifestement plus petits que ça, hein, parce que là, il fait littéralement 5 mètres de long. C'est un petit peu trop grand. Mais voilà, on a tame ces deux bébêtes. Et je vais sortir le dernier Arthroplura qu'on a tame aussi, parce qu'on a tame 2, qui est juste ici. Et qui est ouvert, celui-là. D'accord, il est ouvert. Ils ont différentes couleurs. Oh, même le bout est ouvert, regardez. Il est vraiment... Il pourrait se camoufler, hein. T'imagines, dans une haute herbe, tu le vois pas. Alors que l'autre, il brille un petit peu violet, tout ça. Donc, tu vas le voir. Oh, regardez tout ce beau monde, là. Regardez ce qu'on a tame aujourd'hui. Les amis, là-dessus, nous allons nous arrêter. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous remercie énormément si vous êtes encore là. Jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes une abonnée de qualité. Je vous invite à liker, à commenter comme d'habitude et à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi des noms aussi pour ces petites bébêtes, faudra que je les renomme. La prochaine fois, on ira chercher très certainement le mégalosaure, voilà. Ça me revient. Comme nous avons fait deux tames en plus, je crois qu'il nous en reste genre 7.
Vraiment, il ne reste quasiment plus rien. Et après avoir tame le mégalosaure la prochaine fois, on testera ces deux bébés là. Et on testera également le mégalosaure en leur mettant des selles et en voyant leurs compétences, tout ça, tout ça. C'était Jesper en direct de Ark Survival Evolved. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye tout le monde.